ami François va nous exécuter le Cosmopolitan. Donc, je répète la recette. Donc, le Cosmo fait partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, des New Age Martini, donc vogue des années 90 qui a commencé. Donc, la première famille, c'est les martinis, donc qui vont être composés évidemment toujours de vodka, mais de liqueurs aromatisées, dans ce cas-ci, liqueur d'orange comme le Cointreau, d'un jus de fruits, jus de cranberry. Donc le Cosmo, donc on a de la vodka, donc soit on essaie d'utiliser des vodkas premium, donc recette, soit vous avez des vodkas purs ou aromatisés éventuellement à l'orange ou au citron. Ici, on va utiliser donc pour la vodka, donc la recette officielle, normalement, c'est 3 centilitres de vodka, 1 centilitre et demi de Cointreau, 2 centilitres de cranberry et 0,5 de jus de citron vert. Mais pour mieux l'exécuter, on va le faire plutôt sur 4 centilitres de vodka, 2 de liqueur d'orange ici, le Cointreau, 1 centilitre de jus de citron vert, et entre 2 et 4 2 centilitres de jus de cranberry. Si vous mettez un peu plus de cranberry, ce sera moins fort, donc plus facile à boire. Mais ça, c'est suivant les goûts. Pour la déco, donc il y a deux décorations possibles. Vous avez le quartier de citron vert ou le zeste d'orange flambé. Donc celui qui est le Cosmo avec la vodka pure, on va mettre le quartier de citron vert. Et pour l'autre, on va donc celle qui est faite avec la vodka aromatisée à l'orange, on va mettre le zeste d'orange flambé, comme ça va bien accentuer l'orange.